Avec le personnel soignant, le personnel communautaire, tout le personnel en actif, nous sommes rentrés en réflexion pour voir comment nous organiser à différents niveaux et pour éviter l'infection et à partir du moment où l'infection sera là et surtout quand on va confiner, on va demander, on va presque forcer les gens de se confiner, comment il faut se comporter. La pandémie COVID-19 étant une réalité dans notre région déjà ici, nous avons pris des mesures strictes au niveau de Santomagué pour limiter sa propagation. Déjà à l'entrée, nous avons mis en place un dispositif de lavage des mains où chaque enfant est appelé à se laver les mains, puis est orienté vers un centre de tri où il est soumis à un questionnaire et lorsque ça se révèle que c'est un cas suspect, il est orienté vers une salle d'isolement où nous appelons l'équipe du ministère qui vient procéder à un éventuel prélèvement. Il faut noter que jusqu'alors, on n'a pas encore noté de cas suspects. Cependant, nous attachons beaucoup de rigueur à l'application de ces mesures. Au niveau du personnel, on a renforcé les mesures de prévention telles que le port systématique des gants avant les soins, le lavage des mains de façon régulière et également le port de bavettes de façon systématique au niveau du centre. Et désormais, à Magui, personne ne rentrera dans le centre de Magui sans avoir mis ce masque avant de rentrer déjà pour apprendre à se protéger. Et nous allons continuer la sensibilisation comme on le fait déjà. On renforce aussi le personnel soignant pour le week-end et les nuits pour accueillir les malades. Au niveau de la santé, c'est vrai que c'est un peu difficile dans la région puisque jusque-là, c'était le CHR qui était indiqué comme centre de référence pour amener les cas suspects et les malades. Mais depuis la semaine dernière, après avoir reçu un cas, vu l'insécurité dans laquelle le malade a été accueilli, la situation dans laquelle était le personnel, une situation de stress, parce qu'il n'avait même pas de matériel pour se protéger, pour aller vers ce malade. Et le malade était tellement dangereux pour l'entourage parce qu'il n'y avait rien pour la protéger, pour protéger les autres et tout. Il y a eu une grève du personnel et depuis ce temps, l'État, le personnel sanitaire de la région a décidé que le CHR désormais n'accueillera ni les cas suspects, ni les malades. Alors du coup, ils sont en train d'aménager un centre pour l'accueil de ces patients et des cas suspects. Mais pour l'instant, rien n'est mis vraiment en place pour cela. La population est quand même dans une certaine panique, dans une certaine inquiétude. Et nous, au sein de l'association, au niveau de nos enfants, actuellement 96 sont confinés. Et nous nous en rendons compte que petit à petit, le gouvernement prend des moyens plus gigantesques en fermant les ateliers, en empêchant les rassemblements, en empêchant les gens de se déplacer d'un village à l'autre. Ce qui va poser un grand problème. Je pense que les gens mourront plutôt de la faim. Les PVVH auront du mal à venir chercher leurs médicaments et ça risque de conduire à un problème de malobservance dans les mois à venir. Donc, il va augmenter le taux de mortalité. Nous allons nous retrouver avec pas mal d'orphelins. Nous avons commencé les visites à domicile depuis la semaine dernière et nous nous sommes rendus compte que même l'eau potable, les gens n'en ont pas. Le savon, le simple savon, les familles n'en ont même pas. Alors, au sein de l'association, nous interpellons et nous sommes en train d'interpeller nos partenaires, ceux qui nous font confiance, qui continuent de nous aider. S'ils peuvent nous appuyer, nous avons mis en place un système de kit alimentaire et de kit d'hygiène qui comporte le maïs, le riz, un peu de petits poissons, du savon, de l'eau de Javel, que nous allons essayer de faire de famille en famille pour
pouvoir donner des kits alimentaires et continuer par faire de la sensibilisation de porte à porte en donnant encore les masques à nos malades et au niveau des orphelins. Ce sont des petits trucs, mais qui sont très importants à l'heure actuelle pour se protéger et protéger la population. Donc les enfants sur place, c'est vrai que tous les tout petits, ils sont en vacances, mais les plus grands, ils doivent en tout cas comprendre qu'il faut protéger la vie, il faut protéger nos vies, ils restent sur place. On est à la maison chaque jour, mais on n'a pas le choix parce que ce qu'on sort de la maison, on risque de prendre la maladie. On a dû vraiment les faire un emploi du temps qui les occupe plus, donc les après-midi plus pour la récréation, les matins et le petit déjeuner et les études. Parce qu'il faut qu'ils apprennent pour ne pas oublier ce qu'ils ont pu acquérir comme leçon. Nous tenons vraiment à remercier nos partenaires, nos amis, parce que nous avons appris que Enfants de l'Espoir, en lien avec toutes les associations, ont lancé un appel de dons pour pouvoir vraiment nous soutenir. Il y a une chose qui m'a vraiment touchée, malgré la gravité de la situation à l'heure nouveau. Ils n'arrêtaient pas d'envoyer des messages pour nous encourager, pour nous dire voilà, nous on a la chance d'avoir des petits moyens, mais vous n'avez rien. Et j'ai trouvé que c'était beau de la part et de tous ces partenaires où je tenais vraiment à leur dire merci. Économiquement, c'est vrai, au niveau des pays européens, ça va être très dur, mais au niveau des pays africains, nous allons passer de la pauvreté à la misère. Je crois que cette pandémie nous appelle à une fraternité, à une sincère fraternité, à une remise en question par rapport au choix de la vie que nous faisons. En tout cas, un sincère merci. Merci à chacun et grande communion de prière et d'affection. Un sincère merci à l'association, aux différentes associations qui ont commencé par nous envoyer de l'argent du parrainage pour renforcer un peu le parrainage. Un sincère merci aux associations qui nous ont envoyé un peu d'argent pour faire du ravitaillement au niveau de l'alimentation et de l'hygiène. Merci beaucoup. Que le Seigneur vraiment nous protège et nous garde.